Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode sur Creepcrawler, cette map hack and slash avec des boutiques et plein de mobs à tuer. On doit essayer de survivre même si c'est pas facile tous les jours. On a un nouvel équipement la dernière fois qui réduisait beaucoup notre vitesse. Du coup j'ai préféré n'en garder qu'une partie, même s'il était plus fort et tout, il réduisait beaucoup notre vitesse. C'était très très dommage. Est-ce que j'ai une clé? Non, j'ai pas eu de clé. Ça se trouve, c'est un coffre sans clé. Hop. Toujours instant heals. On a une spike qui donne instinct. Plus 5 mêlées damage. Plus 20% speed. Ce qui pourrait compenser un petit peu... Si pourrait compenser un petit peu notre armure. Voilà. Oh putain, il y en a un qui est fort là. Voilà. Une gate key. Ou pour ouvrir la grille qui se trouve en face de nous. Et on n'a pas tellement le choix, on est obligé d'y aller. Et bon, une petite popo. Nous, on donne pas mal de cœur. Où vont donc cette grille? La grille est ouverte. Oh non, du jump. Avec le vide infini en bas. J'ai peur qu'il y ait des mobs de ce côté. Oh putain. Enfonce dans le tas. On était sur ça. Level up, on a gagné toute notre vie. Yeah. Et en fait, ce que j'avais peur, c'était de retomber dans le... dans le trou, en fait, qui me fasse reculer les mobs. Qui aurait été assez embêtant. On va manger un petit coup. On est actuellement level 5. Ah, il y a encore des pics. Oh, putain. Pardon, excusez-moi pour cette vulgarité. Il est mort le gros. Il est mort. Shop ici même. Et on va aller voir le shop alors. Normalement on est au spécial armor shop. Non, ça j'aime pas. Swift plus 8 damage plus 25 speed plus suite des mages là, il donne non du suite des mages plus 25 mouvements speed, ça je suis en que nous, ça je suis pas fan, ça je suis pas fan, ça je m'en fous, ça je m'en fous, ça je m'en fous. Ça je m'en fous. Ça je m'en fous. À plus vite. Alors qu'est-ce que ça donne? On était spécial. Je prendrais bien les Swift. On a quoi? On a du Guardian, du Heavy. Plus 20 damage réduction, plus 25 heals. On a le plastron, il est 25-25. Le plastron, il est...
Ouais, je trouve ça pas mal le plastron. Et le plastron qui est pas mal. Carrément plus vite là. On a toujours le pantalon et le bas. Pantalon qui a plus 20-25. Pantalon qui a plus 20-25. Ouais. On est plus 4, plus 1 knockback. Donc le tout en bas il pâtait. J'aime bien les white shoes. Les white shoes sont cool. Voilà. Ensuite, on va reprendre un petit peu de poisson. Tac. Witness potion. Cette potion. Ah. Ok, ben moi ça me semble correct. Bonjour monsieur. Enfonce dans le tas. Qu'on a hop, hop. Power 3. Écoutez, on va prendre une nouvelle arc. Une nouvelle arme. C'est un petit couteau de chasseur. Non, bonjour messieurs. La potion utilisée au bon moment, est-ce que ça a fonctionné? La potion utilisée au bon moment, ça a fonctionné. Oh my god quoi. Lui il fait plus 8. C'était très très chaud là. Ah, on a une ascension. Il se 4. Déjà 3, je trouve ça pas mal. C'était de ce côté là qu'on s'est fait. Très chaud, c'est pas du tout évident. On a comme une longue allonge. On est level up, on est level 6. On a la clé qui est ici même. Alors hop, hop, des... Ah, on a du steak. 8 anger. Plus 7, 8 anger 3. Ça peut être pas mal aussi. Alors, il y a un autre endroit qu'on n'a pas exploré par là-bas. Même plusieurs. On a vu ce loot là. Ah, chest, attends. La clé.
Instant Heals 4 encore. Donc l'Instant Heals 3 tu peux la claquer. Hein. Donc c'est les 4 maintenant apparemment qui vont être les plus communes. Je me sens pas qu'on soit envoyé de ce pas. La brute comme on l'a tabassé à mort. Voilà, tu meurs. Mourez, mourez, mourez. Bonjour, je ne fais que passer. Bonjour. Attention, attention à la brute. La brute, c'est une infamie cette... Oh, une épée. Ouais, bof. Oh putain. Toi qui spawn de n'importe où. Plus 220 gold. Oh my god. D'ailleurs, on va pouvoir aller vendre des trucs là, parce qu'on a récupéré plein de bordel. La poubelle. Notre arme, on est une plus 7, donc il faut tout ce qui est en dessous de plus 7. Ça, c'est l'ancien power 3. Plus 4. Ça se dégage. Dégage, dégage. Ça, ça dégage complètement. Ok, au niveau des armures. Des boots, un corps sans garde. Ça dégage. Fait un peu du ménage hein, dans l'inventaire. Prendre un peu de bouffe aussi. Voilà. D'ailleurs, je sais même pas à quoi ça nous sert. Moi. Encore en dégager de ça. On recycle tout ça. Et après, on repart à l'aventure. De XP. Hop. Et nous sommes repartis. Hey, je sais plus où aller de la suite. Je me fais guaquer par les couloirs. Voilà. La clé, s'il vous plaît. Mourez. Il est fort celui-là. Ouh là là, il était fort. Hop. Alors, j'ai encore vu... Oui, encore du monde là-dedans. Ils sont plutôt balèzes, les mecs. Le mec s'est barré ou quoi? Ils sont plutôt balèzes les mecs. Merci. Il voulait me voler mon XP. Il y a encore un steak là. Il y a un jump, on va aller voir ça après. Il y avait rien dans ce chest. Are you serious? Ok, il y avait un chest vide. La baise.
Sentez la mort arriver. Et arrêtez. La mort d'un homme. Ah d'accord, j'ai spawn ici. Viendez. Je passe au milieu de tous, moi rien à foutre. Ah, la queue, le. Putain, j'ai perdu mon arme. Hihi. Hihihi. Mon arme est là. Je l'avais jeté par terre. Il y a eu un truc d'absorption encore. Mais écoutez, c'était pas évident ici. Allez! Mais par contre, il nous faut des armes plus fortes. Donc, Knockback 3. La Blunt Mace. Ça, je la prends clairement. Knockback 3. Ensuite. Non, c'est l'Advanced Shop. Un mec qui fait du 8 damage. Le Brutal Age, il fait du 8 damage. Ça peut être cool aussi à la place. Le Brutal Age. Ok, donc c'est à la place de ça. Ok, on va prendre un nouvel arc. Enfin. Oups. J'ai acheté deux fois. Oh mais oh, il y a du steak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah par contre j'ai des problèmes. Yes, nickel. Au niveau... Pendant of Resistance. Le Pendant of Resistance. Ça coûte 1000. Écoutez, je prends le Pendant of Resistance. Et ensuite, dans les armures, est-ce qu'on a des trucs pas mal? On a 20, 24, du 24. Hein? Mais j'ai plus d'armure! D'accord, j'ai plus rien. Plus 8, plus 24. Écoutez. Écoutez. Moi j'ai envie de vous dire. Non, le hâte. Écoutez, j'ai envie de vous dire, Osef. On a résistance maintenant. On va un peu mieux se passer. Vous avez vu? Oh, ce knockback. Ah, j'aime beaucoup ce knockback. Ah, on va carrément mieux s'en sortir. Là. Mais ça, c'est l'arme de l'infini, ça. Oh, mais je l'aime, cette arme. Je l'aime, cette arme. Mais cette... Oh là là, cette arme. Donnez toute cette XP. C'est jouissif. Donnez-moi. Reste où tu es, toi. Putain, par contre, je vais me casser la vie du ciel. Oh putain. Cassez-vous. Cassez-vous. Vous êtes vilain. Cassez-vous. Cassez-vous. Ce farmage.
se farm. C'est bizarre que les pics se sont mis en route. J'ai guaqué le jeu. J'ai guaqué le jeu. Ça, on se sent bien là pour l'instant. En même temps, on n'a plus de pic. Cette séquence avec des pics, c'est horrible. On va quand même aller le voir dans le débugger. Voilà, the spikes are not going up and down. Je vais sortir des trucs. Oh putain. Ça marche bien. Ça marche très bien. Les spikes ont été réparés. Ok, pas tout un même. Ok, c'est un petit peu bugué par moment. Putain, mais là il n'y a pas d'entité. Mais j'ai déjà la clé. MDR. MDR. Oh putain. Oh putain. Oh putain. On fonce dans le tas. Oh mon dieu. En fait je croyais pas que ça allait... Je croyais pas que mon arme allait lâcher. En plein combat. XP, XP, absorption. Oui, level up. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Pour ce nouvel épisode sur Cryptcrawler, en tout cas j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Waouh, la classe, un petit pouce vert, un petit commentaire. Et nous on se retrouve très vite pour la suite de Cryptcrawler. Des bisous, c'était Goz. À la prochaine.